dossier maman ti fi 11 l'année on songe côté que gain ancien député Dumont et qui na prison parce que la ba accusation li était fait zak sexuel et sous ti monta zak sa yorele pédophilie et nous te parler d'une note pour la presse qui t'est sorti dans semaine là et côté et madame Marie-Olène Gilles ensemble avec maman ti mon acte était dénoncé le fait qu'elle a subi menace et NDDH qui t'est sorti note là. Eh bien, non, n'y pas de débat interview, madame Gilles, sous dossier, qui n'a cabinet d'instruction, selon ça, elle précisait, mais maman, Timon, non, et qui t'a gagné un rapport avec monsieur Dumont, et fait qu'on est lié à petite li, à vivre à gros qu'est sauté, pendant demander autorité, au prendre disposition, et pour y'a bayo justice à protection. Il t'a parlé comme ça, je dis à nos micro Robinson Henry, dans le local RNDDH, on a attendu. Il a fait le final, le jour 5 janvier, la petite m'a dit, mamie, bon, raconte qui ça, papi dit. Papi dit, viens faire bisou pour lui, papi a fait bisou pour moi, papi a passé main là même, la passé main sous moi, lui dit, bal faire bisou dans chouchou de moi. Mais avant, le petit la salle, voyez, la regarde, est-ce que m'allez? Petite la dit, maman, papi dit, est-ce que vous allez? Al gade si wale, mal gade, mi zil oui, mou ap wale, ap mache desan. Li voye al gade ki sa servant la fe, li zil servant la okupe nan cuisine nan, dok se le sa koun ya lel vin konne pa gen moun kap kontrole, tout moun deplase servant an aktivite pal moun soti. La l komanse ap zil fe bizou pou li, la boti moun nan, la man en men li mande l fe bizou. Dok le bizou la dim sa mwen men bat kwe, e le vrale Anthony, le vrale la ka el jou 5 janvye sa, li dim kon sa, pa man de petit la, qui ça m'a dit. Donc si petit moi pour moi t'as parlé avec ou t'as bal conseil pour moi t'as fait moral ou pas commandé pour pas mander là où est-ce que ton bagage dans tête point et c'est tant d'attend là aller pour me demander petit parce que si ou fin dit ou parlé avec ou dit me commandé le sort t'a dit donc là qu'on est curieux pour me raconter qui sort t'a dit et le mandé le final qu'on a la petite dit maman m'va l'expliquer quoi elle explique tout ça même pas quoi dans salle petit dit m'a dit c'est pas vrai du tout si m'bat met ton caméra pour me faire une vidéo ça m'ta fait comment ça dit m'ba quoi parce que nan Anthony le m'garde nan Anthony moi ça pas ka fait tout autant bon pour gain preuve de ça la dit m'ba jamais penser Anthony Dumont t'a privé nan niveau ça avec petit moi qui gain 11 ans menace sous dire recevoir à partir de qui l'ont commencé recevoir il a tué menace on commencé recevoir menace c'est après le fin arrêter Anthony c'est le ça m'gain numéro que m'ba connait yo k'ap écrim k'ap dit moi y a voyé tête petite là moins c'est Haïti mi là Haïti son pays qui glisse en pile n'importe côté a prend pas besoin compter sur RNDDH y a prend quand même yo voyé dit policier commissaire tombé c'est pas moi même qui peut pas tomber qu'on y a la besoin que pour yo ta moun qui concerné ça va comprendre la vie en danger avec tout petit là parce que me peur sortir me peur petitement tout même l'école me censé pas na faire l'école avec parce que me peur pour pas ta joindre pour pas faire un bagage et moun nan k'ap fè menace la dit kon l'école petit moi ka chercher yo ka prendre y a fait me crier yo dit que nan message yo y a même côté pour me sentir mais même comme j'ai justice avec petit moi et nous va ka faire vin nan ma on cacher pour ma peur si moi moun si téléphone moi sonné m'gen problème si moi moun garde m'en pile m'gen problème ba ka faire tout vin comme ça comment tu moun stressé même moun frappe porte là le cacher c'est même ta vous bon oui faut nous dit nous légèrement modifier changer voix et pour raison sécurité pour et maman et Timonan qui était gain relation avec monsieur Dumont directeur exécutif RNDDH là monsieur Pierre Espérance qui parlait à Radio Kiskeya depuis ville Paris côté le trouver fait qu'on est organisation l'a dirigé a déjà entrepris une série de démarches devant la justice et concernant menace la mort madame Marie-Olène Gilles qui impliquée dans dossier ça bon côté maman petite fille a subi et qui subit viol et menace y a pour se voir et militant doit maintenant dire espérer que autorité la justice a pris responsabilité dans le dossier ça. N'attendez directeur exécutif NDDH monsieur Pierre Espérance toujours dans le micro Robinson Henry. Effectivement Marie-Olène et qui c'est assistant responsable programme dans RNDDH lui c'est une monde qui coordonne travail et pour tutorie vision observation doit maintenant RNDDH. Et bien, qui te recevoir une famille et qui, c'est lui-même dans RNDDH qui est accompagné et famille ça. Depuis et environ 2 semaines et demie, Marie-Olène Gilles a recevoir un pile menace. Nous identifier le numéro de téléphone
qui fait menace à eux. Nous portons une plainte et dans le parquet, et c'est un DDX même qui portait plainte là, mais signé plainte là. Et nous informer juge d'instruction qui a perdu ce dossier de toutes les menaces à eux. Et en même temps, tout, nous portons plainte dans le DCPJ pour que tout acteur de la chaîne pénale là, qui concerne par le dossier ça, eh bien, pour capable de faire travailler dans ce sens-là, parce que les menaces et en pile, par exemple, une menace fait, c'est que n'a pas fait ou mal, mais nous pas toujours, et n'a pas fait mal, et n'a pas été dégé ou, et pour faire tout vieux qui a souffri. C'est des menaces tête chargée, et j'en ai dit où, commencé immédiatement après, et la et accompagner les victimes. Et faut que nous, depuis Mario Lengil dans RNDDH, c'est vrai, dans l'année 2001, 2003, 2004, et que nous avons des menaces, mais forme de nation, dans le jour de c'est la première fois que nous avons des nations qui forme ça. Donc nous avons pris ça et au Ségué. Nous demandons de nous alerter et tout acteur de la chaîne pénale qui concerne le dossier ça et nous informer l'organisation et le droit monde au niveau international et sous la situation et collègue nous, Mario Lengil. Il faut que nous tout et maman Timoun a lui-même et lui a des gros menaces et même. Et il y a un numéro de téléphone qui est Mario Lengil et qui voyait le texte message, c'est le même téléphone d'ailleurs qui voyait qui fait menace à madame, nan, donc maman Timoun. Donc nous, même démarche que nous avons fait pour Mario Lengil, c'est même démarche là pour accompagner les victimes. Nan, et bon côté acteur dans cette pénale là, nous espérons qu'il a fait travail pour menacer au capable de finir. Voilà, c'est le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, depuis Ville Paris, côté de Touvel, qui t'a répondu à une question. Robinson Henry, sous dossier ça. Premier coup de pied d'actualité internationale, la peine dans Washington, côté Donald Trump a perdu paria et c'est un gros. Et Association nationale média haïtien ANMH écrit président chambre député à député Charles Chancy et sous dossier loi nous connaissons sans aucune consultation sénateur voté qui ba une indication de qui Jean yo wè question démocratie à fonctionnement dans pays d'Haïti. Et mais ça lettre la dit Association nationale média haïtien yo ANMH qui écrit président chambre député parce que nous là dans deuxième lecture et concernant loi ça que sénateur fin voter transféré by chambre député et c'est là ANMH en tant que organisation de société civile là espérer que la jouer rôle dans cadre démarche qu'il doit faire pour faire et voile passer il écrit président chambre député pour attirer attention et sous façon bride sous coup projet loi ça soit fait diffamation. Il veut voter dans le Sénat sans aucune consultation. Et médias, associations, presse, et groupes qui organisent dans la société civile, et tout reste monde, vous savez, les opinions publiques, les citoyens, vous trouvez devant une loi, ça veut dire un fait accompli, et un nouveau projet de loi, et qui pas de aucun débat qui est fait sous lui, pas de aucun secteur qui est invité pour avoir opinion, pas de aucun consultation, pour chaque monde est capable de faire contribution qui j'en ai well, et surtout secteur qui structuré dans la société civile là. Nous souhaitons que consultation sénateur pas de faire, d'après sa lettre l'an dit, eh bien, chambre députée lui-même l'a ouvri débat, la prend initiative là, et côté que, et tout secteur qui concerné a gagné pour bail point de vue, et pour finalement, et pour faire, et préoccupation yo, passer dans loi ça. Et comme ça, nous demandons une rencontre pressée pour nous capable discuter sous proposition pas nous-mêmes en tant qu'association qui a défendu intérêt média dans la société haïtienne ANMH et pour nous capable tenter fois ça
un débat large qui va servir et apporter des richesses dans question débat dans projet loi ça qui journée jeudi et tout d'un coup nous trouver devant et retirer la donne tout ça qui c'est j'aime qui capable mettre en question toute bataille peuple haïtien redit pour capable racher liberté d'expression ensemble avec liberté la presse qui marchait ensemble et que constitution 1987 la garantit droit que peuple haïtien avec média gagné pour informer population droit pour mener enquête média pour faire investigation droit pour média et citoyens tout dénoncer toute dérive qui ca mettait en danger bataille pour démocratie peuple haïtien. Nous connaissons que d'avance d'après ça l'état dit pour le fini démarche nous fait bon côté là la pour recevoir bon accueil dans mes ak dans mes chambres députés et nous saluons encore monsieur le président chambre députés nous saluons de façon patriotique et c'est Hérold Jean-François président ANMH qui écrit dans notre association président chambre députés député Henry Scholzer Chancy pour demander yon rencontre à une délégation association sous loi ça quoi elle est là qui trouvait li dans chambre député a une loi nous connaît bride soukou sénateur yo voté sans que personne monde pas au courant nous connaît problème qui posé avec loi ça connaît des partisans question et pour mettre babouquette gende l'autre monde tout de bonne foi qui dit oui Jean que y a sale non monde écrit n'importe bagaille sous monde dans réseaux sociaux yo yo écrit n'importe bagaille sous monde et sous murailles yo yo dit n'importe bagaille sous monde non série de émissions qui a fait dans radio oui gain nécessité pour gagner une loi concernant sur question de diffamation et gagner même avocat qui dit que par exemple bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince maître Stanley Gaston qui c'est une invité m'a gagner dans émission intérêt public qu'a fait qu'a passé dimanche là et dit que ça qui gagne dans code pénal là pas suffisant pour traiter problème non parce que c'est un code pénal qui gagne plus qu'un siècle et puis on pas de prévoir tout développement que tu as gagner dans communication tant que journée jeudi a que sur réseaux sociaux tout ça et pas qu'à anticiper dans code tant que code pénal là ni quoi que tu as droit gon là bon son débat et nous dans démocratie gagne place pour débat et tout le monde capable bail point de vue même dans chambre ça nous songer plusieurs fois une délégation ANMH qui était allé par exemple le sénateur Jean-William Gentil était président commission communication et travaux publics dans Sénat. Il était invité nous plusieurs fois pour nous donner un point de vue. Il était invité, il était consulté des experts et là d'ailleurs ancien directeur Conatel et de avocats spécialisés sur question numérique, sur question internet qui j'en peux bail pour le fait qui évolution sur plusieurs dossiers. Mais sénateur ça n'avait pas pris contact. Et c'est ça qui est inquiétant, qui montrait ou a demandé que plus on va avancer, est-ce que question démocratie hein, pour une série de monde qui vient pas gain importance encore surtout non institution républicaine tant que Sénat républicain parce que de qui ça n'a parlé là n'a parlé de une menace à la base pour liberté d'expression et qui c'est une espèce et de babouquette yo mettait de façon préventive et ou intimidation sous citoyens parce que liberté de la presse n'a pas qu'à fonctionner sans liberté d'expression. Toutes les références mondiales qui gagnent sous de gros avancées qui fait dans la liberté de la presse, non? Ou toujours tendez, yo dit, ou c'est parce que t'as gagné accès à information dans le pays, ça, c'est parce que citoyens, yo, qui fonctionnaient, monde qui a travaillé dans le bureau, yo, et tel côté que t'es concerné, qui t'es alimenté la presse, que t'es bas l'information, que t'es capable de faire. Yon là, d'ailleurs, qui célèbre dans le monde entier, c'est enquête de journalistes Washington Post et Menin, sous affaire ça qui a rentré dans l'histoire, qui parle poté président Richard Nixon Allé, qui s'est affaire Watergate, là. Si pas de gain ça relève une gorge profonde du monde qui t'a alimenté journaliste pas capable river découvrir tout ça qui t'est gain. Donc c'est essentiel pour que citoyen pas intimidé à la base pour ba information. Mais en plus de ça tout loi ça qui finalement tout nous commande exécutif là parce que 3 janvier président tout neuf là Jovenel Moïse mandé député et sénateur pour ba loi ça dans cadre ça relève l'ordre dit pour le mettre et que au monde pas capable crétou rail au monde et pour décider qu'on va faire diffamation sur lui mais diffamation tout nous connaît très élastique pour l'interpréter selon intérêt selon vision et c'est des sénateurs qui ont même te gain un problème là de Joseph Lambert qui dit qu'on ça oui faut que voter loi ça parce que yo te dit bateau droit qui était tel côté c'est pour lui ça fait papa te mourir et puis avec Edozeni
qui lui-même était en affaire à continuer jusqu'à présent dans prison d'un quoi qui concernait Lambert tout qui fait des dénonciations contre lui. Il dit qu'il faut qu'il fasse loi. Et puis comme depuis 2014 il travaille sur lui et quoi il est là, eh bien probablement et président tout neuf là était au courant de lui et parce que là il était venu dans le bureau dans me dit mais baron de qui soit parler de loi ça lui dit il a déjà. Il était connait de qui ça l'a parlé. Eh bien mais qu'on est là on est actionné et puis loi a voté. Qui va qui sénateur qui prend en bail là pas me connaît même. Même temps de mon sénateur que vous connaissez très bien dit que il pas comprendre affaire que a parlé que président t'a fait commande sous loi. Mais nous en politique quoi qu'on dit. Ou gain aspect ça. Ou gain l'autre aspect qui concernait et question qui est ça couvrir. C'est tout le monde qui t'a doit rendre compte. Là de ou gain pouvoir exécutif là mais ou gain pouvoir législatif là tout qui gain pour le rendre compte. Parce que mine de rien, c'est plusieurs millions de dollars qui passent dans le parlement chaque année. Et la même gens avec exécutif là, nous pas gagné aucune transparence de qui gens l'argent a dépensé. Donc il y a nécessité tout pour population qu'on est qui ça cap fait. Donc tout monde ça tout youn a kembe l'autre, une besoin pour couvrir pour monde par contre ça cap passer. Parce que on faut intimider à la base citoyen, un fonctionnaire qui est dans le parlement, un fonctionnaire qui dans palais national ou bien qui dans n'importe ministère, t'a voulu renseigner la presse, l'a réfléchi 10,000 fois et là il connaît que si on prend le camener devant la justice. Donc c'est pour toute raison ça équipe devant la justice tout c'est là la justice t'en fin confirmer oui que mon n'a fait zak là c'est date ça seulement qu'a parler de lui oui. De qui justice t'en parler justice qui en décomposition justice pourri ça donc citoyen yo même yo pas gain intérêt pas gain maillot qui dans soleil puis a veiller la pluie tout temps qui ça qui maillot c'est toute ressource que pays a gain qui a gagoté et qui fait que jusqu'à présent nous c'est dernier pays alors que des premiers pays qui étaient prêts indépendance nous qui étaient en lumière journée aujourd'hui nous une tourner yo ti l'indique après les yo gagne dans Amérique là. Pour qui ça? Parce que corruption, les gangrenés pays, et pays à Kounela, Haïti a mené un concours pour voir s'il t'a pris premier prix comme pays puis corrompu. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et puis des bons pays gangrenés comme ça, corruption, il n'y a pas de compte à rendre, et bien population, pas qu'à jeune service, pas qu'à égalité dans la population. C'est ça qui fait son population nous gagne qui a péri. Et l'autre problème qui gagne la question à faire de loi, ça, et ou pas qu'à faire une loi pour pas faire société à faire un pas en avant. Loi en contradiction avec ça qui dit dans le code pénal là, li en contradiction avec même loi pays qui garantit liberté d'expression. Et nous avons une dans le code pénal là qui dit que un citoyen a devoir depuis le bon bagage qui passe pour le dénoncer. Et en plus de ça tout, l'autre problème nous gagnons dans la question affaire de mesures qui prend pour protéger les gens qui gagnent pour rendre compte là, eh bien, c'est un frein qui a bouché pire de possibilité pour jeune bonne information puisque parlementaire si yo était progressiste si c'était avni pire dans 2017 là dans 21e siècle d'abord première loi pour être votée son loi accès à l'information parce que bon bonne enquête y a reproché presse haïtienne n'a pas mené enquête mais nous pas gain accès à l'information nous pas qu'apparaître sur aucun fonctionnaire dans ministère des finances pour nous dire oui tu as tel chèque yo dit que tu fait à l'ordre de intel faut qu'on ban moi faut que nous ouais chèque ça nous voulons faire un article sur lui pour ban toute information que plusieurs pays démocratiques réellement vrai yo gain accès à l'information comment faire premier démarche sénateur c'est chercher un babouquette pour mettre dans bouche la presse c'est pour toute raison ça yo qui fait que association nationale média haïtien mandé député yo une rencontre. Parce que loi, il n'y a pas de loi, tout autant chambre député n'a pas voté dans le même thème, et puis pour voter l'exécutif là pour promulguer. Il y a possibilité toujours pour la société haïtienne de mobiliser. Et c'est l'occasion pour nous réveiller sous des points comme ça. En tant que société, je vais parler de ça, société civile. C'est là pour nous jouer un rôle. Il faut que nous soyons vigiles. C'est nous qui avons surveillé qui la démocratie a fonctionné. C'est nous-mêmes qui avons mangé sous du feu. Il faut que nous veillions s'il a tombé. Donc il faut que nous là pour nous et tout le temps à surveiller et. Chaque monde a porté contribution et ça permet de nous bloquer une série de dérives, de bloquer volonté pour faire un feedback, volonté pour mettre babouquette dans la bouche. Non? Parce que si nous quittons ce silence qui établit, gens qui ont fait louange pour les gens qui étaient dans le silence, par exemple, dire rien sur la société haïtienne, ça y est, les majorités silencieuses là, et bien, dans le cas nous, silence là, la purement et simplement touiller la démocratie. Non? Parce que ça n'a pas joué la nouvelle démocratie, c'est un petit bougie tout petit qui l'y met, et puis il y a de gros vavari vent qui sortit pour t'en. Donc c'est comme ça pour nous arriver sauver. Dossier, maman, petite fille, 11 l'année, on songe, côté que gagne ancien député Dumont,
et qui est en prison parce que dans l'accusation, il était fait actes sexuels et sous Timonta, les actes ça y aurait les pédophilies. Et nous avons parlé d'une note pour la presse qui était sortie dans ce maintenant. Et côté, et Madame Marie-Hélène Gilles, ensemble avec maman, Timonta était dénoncé le fait qu'elle a subi menace et NDDH qui était sorti dans notre langue. Eh bien, non, dit pas de débat interview, Madame Gilles, sous dossier A, qui n'a cabinet d'instruction, selon ça, elle précisait, mais maman Timounan, et qui t'a gagné un rapport avec Monsieur Dumont, et fait qu'on est lié à petit lit, à vivre à gros qu'est sauté, pendant demander autorité, au prendre disposition, et pour y'a bail justice à protection. Il t'a parlé comme ça, je dis à Namiko Robinson Henry, dans le local RNDDH, t'en attendez. Le final, le jour 5 janvier, la visite m'a dit, mamie, bon, raconte-toi qui ça, papi dit. Papi dit, viens faire bisous pour lui, papi a fait bisous pour moi, papi a passé même, la passé même sous moi, lui dit, bal faire bisous dans chouchou de moi. Mais avant, le petit la salle, voyez, la regarder, est-ce que m'aller? Petit la dit, maman, papi dit, est-ce que vous allez? Al gade si wale, mal gade, m di lwi mou wale, wap mache de son. Li voye al gade ki sa servant la fe, li di servant la okupe nan cuisine nan, dok se le sa koun ya lel vin konne pa gen moun kap kontrole, tout moun deplase servant nan aktivite pal moun soti. La l komanse ap di l fe bizou pou li, la boti moun nan, la man en men li mande l fe bizou. Dok le bizit la di m sa mwen men pat kwe, e le l brale Anthony, le l brale la ka il jou 5 janvye sa, li di m kon sa, pa man de pitit la, qui ça me dab dil. Donc si petit moi pour moi t'as parlé avec ou t'as bal conseil pour moi t'as fait moral ou pas commander pour pas mander là ou qu'est-ce que ton bagage dans tête moi et c'est tant dab tant là aller pour me demander petit là parce que si ou fin dim ou parle avec ou dim commander ça t'a dit donc là qu'on est curieux pour me raconter qui ça t'a dit et le mandé le final qu'on a la petite dit maman voilà il faut expliquer tout ça. Même pas quoi, l'ensemble de petit monde dit, c'est pas vrai du tout. Si je mets ton caméra pour me faire une vidéo, ça, je vais faire comment ça me dit, quoi. Parce que dans Anthony, le regarde dans Anthony, moi, ça pas qu'à faire. Tout autant que j'ai une preuve de ça, je vais me dire, j'aime penser, Anthony Dumont, tu es arrivé dans un niveau ça avec petit monde qui a 11 ans. Menace ou dire, recevoir, à partir de qui, on commence à recevoir, il n'a plus menace. Je commence à recevoir menace, c'est après le fin arrêté, Anthony. C'est le ça, j'ai un numéro que je vais on est yo cap écrim cap dit moi y a voyer tête petite là moins c'est Haïti miel Haïti son pays qui glisse en pile n'importe côté y a prendre pas besoin compter sur RNDDH y a prendre quand même yo voyer dit policier commissaire tomber c'est pas moi même qui peut pas tomber qu'on y a la besoin que pour yo ta moun qui concerné yo ta va comprendre la vie en danger avec tout petit parce que me peut sortir me peut petitement tout même l'école me censé pas na faire l'école avec parce que me peut pour partager un niveau va faire un bagage et mon cap fait menace à dire que l'école petitement ca chercher yo ca prendre y a fait me crier yo dit que dans message yo y a même côté pour me sentir mais même comme jeune justice avec petitement et nous va faire vie nous dans marron caché pour ma peur si moi mon si téléphone sonne me problème si mon monde garder mon pile me problème va faire toute vie comme ça comment tu stressé même mon frappe porte là caché c'est même ta vous bon oui. Faut nous dire, nous, légèrement modifié, changer voix, et pour raison sécurité, pour, et maman, et Timounan, qui était gain relation avec Monsieur Dumont. Directeur exécutif RNDDH, là, Monsieur Pierre Espérance, qui parlait à Radio Kiskeya depuis Ville Paris, côté le Trouvel, fait qu'on est organisation, là, dirigée, déjà entreprendre une série de démarches devant la justice, et concernant menace la mort, Madame Marie-Hélène Gilles, qui impliquait dans le dossier ça, bon côté maman, petite petite fille, a subi, et qui subit viol, et menace, y a pour se voir. Et militant doit maintenant, dit espérer que autorité la justice, a pris responsabilité dans le dossier ça. N'attendez directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, toujours dans le micro Robinson Henry. Effectivement, Marie-Hélène c'est assistant responsable programme dans RNDDH. Lui, c'est un monde qui coordonne travail et pour tutoriel, disons, observation du monde dans RNDDH. Un ben qui est recevoir une famille et qui, c'est lui-même dans RNDDH qui est accompagné et famille ça. Depuis et environ 2 semaines et demie, Marie-Hélène Gilles a recevoir un pile menace. Nous identifier le numéro de téléphone qui fait menace à eux. Nous portons plainte et n'a pas fait, c'est RNDDH. Même qui portait plainte là, mais signé plainte là.
et nous informer sur une instruction qui a permis ce dossier de toutes les menaces. Et en même temps, tout, nous portons plainte dans le DCPJ pour que tout acteur de la chaîne pénale qui concerne par dossier ça, eh bien, pour capable de faire travailler dans ce sens-là, parce que les menaces et en pile, par exemple, une menace fait que n'a pas fait ou mal, mais nous pas toujours, et n'a pas fait ou mal, et n'a pas fait énergie ou, et pour faire tout vieux qui a souffert. Et c'est des gros, c'est des menaces, et tête chargée, et j'aimerais dire, commencé immédiatement après, et la et accompagner les victimes. Et il faut que nous, depuis Mario Lengil dans RNDDH, c'est vrai, dans l'année 2001, 2003, 2004, et que nous avons des menaces, mais forme de nation, dans le RNDDH, c'est la première fois que nous avons des nations qui forme ça. Donc nous avons pris ça au sérieux. Nous avons alerté tout acteur et la chaîne pénale qui concerne le dossier ça et nous informer l'organisation et le droit monde au niveau international et sous situation et collègue nous Mario Lengil. Il faut que nous tout et maman Timoun a dit même que lui a des gros menaces et même. Et il y a des gens qui ont été et Mario Lengil, et qui voyait le texte message, c'est le même téléphone d'ailleurs qui voyait, qui fait menace à madame, donc maman Timouna. Donc nous, et même démarche que nous, RNDDH, fait pour Mario Lengil, c'est la même démarche là pour accompagner les victimes. Et bon côté acteur de la chaîne pénale là, nous espérons qu'il a fait travailler pour menacer et capable de finir. Voilà, c'est le directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, depuis Ville Paris, côté de Touville, qui a pris une question. Robinson Henry, sous dossier ça. Premier coup de pied d'actualité internationale là, maintenant dans Washington, côté Donald Trump, perdu Paris, et c'est un gros échec.